Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo Clash Royale. Écoutez, aujourd'hui le premier sneak peek est sorti. Il a un petit peu fuité, c'est pour ça qu'il a été sorti cette nuit tout simplement. Clash Royale avait malencontreusement sorti ce sneak peek sur son site officiel. Et du coup tout le monde l'avait vu, du coup ben, il y a déjà quelques youtubeurs du coup américains qui voulaient en sortir. Et quelques-uns français mais très très peu, c'est pour ça que je saute sur l'occasion pour vous faire ce petit sneak peek. Donc là on a un petit gameplay de Chief Pat, malheureusement ce n'est pas mon gameplay car je n'ai pas accès au compte développeur. Donc on peut voir les amis cette nouvelle arène, donc c'est bien l'arène 9, c'est une arène qui se place entre l'arène légendaire et l'arène de glace, c'est simplement une arène qui se place à 2600 trophées et c'est une arène qui a pour ambiance la jungle tout simplement, donc c'est l'arène sauvage, je sais pas trop comment ils vont l'appeler, la jungle arena en anglais, l'arène de la jungle, je sais pas trop, mais bon elle est hyper stylée, personnellement j'adore l'ambiance un petit peu de la jungle, etc. C'est vraiment hyper stylé. Personnellement, je la trouve super belle. J'espère vraiment que vous l'aimez vous aussi. Parce que clairement, je la trouve vraiment magnifique. Et puis ça fait plaisir surtout qu'ils mettent une nouvelle arène. Parce que c'est vrai que de 2300 à 3000 trophées, donc l'arène de glace avant, eh ben, il y avait beaucoup de marge. C'est vrai qu'on restait longtemps dans cette arène de glace. Et peut-être que ça en avait lassé plus d'un, dont moi, je vous l'avoue. Là, je suis content clairement de passer dans cette arène de jungle. Je trouve ça vraiment stylé. En plus, je pense qu'on aura des troupes, style des singes, des trucs comme ça. Clairement, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait, par exemple, comme prochaine légendaire, un gros gorille ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être super classe, je pense. Et puis, surtout, ça rapporte du nouveau au jeu. Et du coup, ça fait hyper plaisir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce premier sneak peek, c'est simplement une nouvelle arène. Vous avez pu voir, il n'y a rien d'autre à dire, je veux dire, vous avez pu voir le design de l'arène, etc. Elle se place à 2600 trophées, cette arène. Normalement, je crois qu'elle arrive le 13 janvier. Là, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que... Non, ça ne doit pas être ça. Ouais, non, je sais pas du tout. Bref, non. Oubliez, je sais pas trop la date, mais bon voilà, ce sneak peek est terminé, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner, ciao ciao les amis, à plus.